Il en rêvait, Pascal Sevran l'a invité, cette fois c'est sûr. Richard Watson, vedette boulonnaise de variété, aura son nom dans l'un des prochains numéros de La Chance aux Chansons. Mon but, c'était de faire cette télévision. Et en plus, chez Pascal Sevran, dans cette émission. Donc maintenant, c'est fait. Donc ça y est, j'ai réalisé un de mes rêves les plus importants. Toutes ces soirées à s'aimer, tout s'efface comme dans À 36 ans, Richard Watson a un album à son actif. Des chansons qu'il a écrites en collaboration avec ses musiciens. Des chansons qu'il a composées sous l'œil de ses idoles, Jean-Jacques Goldman et Mike Brandt. Au-delà de mes pensées. La musique, une distraction pour le chanteur, car Richard Watson est aussi et surtout concierge dans une résidence de Boulogne. La semaine, j'aime bien être chez moi, j'aime bien faire mon travail dans la résidence. Je fais le jardin, je fais un peu toutes les tâches que doit faire le concierge. Et puis le week-end, j'aime bien me changer d'air et aller chanter. Un prochain CD est déjà prévu pour le mois de juin, mais avant tout, rendez-vous le 28 avril sur France 2 pour la toute première télévision de Richard Watson. La chance aux chansons, la France a raison d'aimer ses musiques, ses poèmes. Après-midi sur France Duo. Richard Watson est au bar et c'est un beau barman, mesdames. Et j'éteins les lumières dehors, c'est le matin. Un dernier client s'endort au bar. Décollé au comptoir. Bamba, ça écoute les chagrins, les salades, les amours qui pleurent, les cœurs malades. Je sers à ça, à Bamba. Oh, elle pleure. Bamba, ne doit jamais montrer qu'il a mal. Je vais aux histoires les plus banales. Je serre ça à Bamba. Révélé ton visage, tes yeux dorés. Tu ne rentres plus, je dors comme je veux. Le lit est plus grand, le char est heureux. Même nos meilleurs disques maintenant sont de vieux. Mais tu t'en fous du plat. Richard Watson, c'est sa première émission de télévision avec nous, la chanson d'Eddie Mitchell. Super.